Aujourd'hui, c'est en compagnie de Julien du restaurant L'Évidence à Épinal que nous cuisinons. On va préparer un dessert. Oui. Donc, je dirais un dessert apparemment avec des fruits. Mais des fruits rouges, je pense oui. que tu seras le mieux placé pour me dire exactement ce qu'on va faire. Alors, ce sera une tarte aux fruits rouges. Donc, il y aura une confiture de fruits rouges. Oui. Donc, enfin, sur une tartelette aux fruits rouges, voilà, c'est ça. Pâte sablée. Pâte sablée. D'accord. Donc, confiture de fruits rouges. Dessus, on mettra une crème mascarpone et vanille, crème montée, mascarpone et vanille. Des fruits frais. D'accord. Et un granité au thym qu'on a là. Ok, ça marche. Donc, on commence par quoi, Julien? Là, on va faire infuser notre thym dans notre sirop. D'accord. Donc là, tu as quoi exactement? Tu as de l'eau, de l'eau, du sucre et un demi jus de citron. D'accord. Okay. Et après, je mets du thym, d'accord, donc du thym frais. Donc, l'idée, c'est de que ça infuse, c'est ça? Oui, c'est ça. On laisse infuser les herbes, ça infuse une quinzaine de minutes. Pour avoir ce goût-là de thym. Voilà. On peut en mettre généreusement. Quand et même. Ça va apporter vraiment cette touche fraîcheur sur, voilà. Fraîcheur, sur ta tarte. Ouais, herbacée, ça va aller bien. Ça va faire un peu l'originalité dans la tarte aux fruits rouges. Donc, on le met sur le chaud. Voilà. On va le mettre pendant combien de temps? Une quinzaine de minutes. D'accord. Donc, ça infuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors pendant ce temps, on va préparer nos tartelettes. Donc je les décolle ensuite. D'accord. Ah oui, tu les mets directement dedans. Voilà. Okay. On les met dessus. Et ensuite, on va les passer en cuisson. Ah, après, on les fonce donc avec les mains. D'accord. Il faut essayer de bien faire l'angle droit sur le bord du moule à tarte. Et pas le casser. Ah, si tu l'as cassé, c'est ouais, pas c'est grave. Ouais, c'est pas grave parce que en étalant. Ça devrait se refaire. Voilà. Ok. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, c'est une recette classique de pâte, pâte sablée. Voilà, pâte sablée sucrée. Et après, on peut aussi faire cette recette en format grande tarte à partager. Oui, oui. Donc là, Tu vas le couper. Ça s'appelle ébavurée. Oui, pour que ça soit propre et voilà. Honnête. Coupe les bords de la tarte. Et après, on pique pour pas que ça gonfle. D'accord. À la cuisson. Voilà. Tiens, je te laisse faire aller mettre ce tour-là. Pour tes desserts, toi, en général, tu fais plutôt des choses classiques. Enfin, t'essayes de... Ouais, je pense qu'on essaie quand même d'être un peu original sur les desserts. Après, on part des bases classiques, une tarte. Par exemple, oui, là, genre une tarte fruits rouges. Mais on l'a fait, on rajoute le granité au thym, on rajoute un coulis aux herbes. Enfin, coulis aux fruits rouges, mais aux herbes fraîches. Oui, tu essayes d'avoir toujours cette petite touche un peu surprenante. Original, oui. En ce moment, on fait un dessert à la carotte, par exemple. D'accord. On va partir en cuisson pendant combien de temps et à combien 10 minutes, 170 degrés. D'accord. Hop, on y va. Au four. Ouais. Hop. Et voilà. Donc, ça part pour 10 minutes. Et c'est bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur notre confiture de fruits rouges. Donc là, tu as pris exactement les mêmes fruits que tu vas utiliser dans ta tarte. Donc, à savoir de la fraise... t'as mis mûre, quoi? Mûre et framboise. Framboise, ok. Et on met 20% de sucre. D'accord. Donc c'est ce que tu vas avoir en base. C'est ça, t'appelles au fond ta de la tarte. Et donc là, on va laisser compoter et cuire tranquillement. Voilà. Donc là, c'est bon, ça a infusé. 15 minutes, voilà. On donc passe. Donc tu le débarrasses. Dans une plaque. Oui, pour retirer. Tu pour récupérer que l'eau, en fait. D'accord. Donc l'eau qui a infusé, est-ce qu'il y a ce goût de thym? On sent à l'odeur. Ouais, ça sent bien. Donc là, tu vas le mettre au frais. Au congélateur, voilà. Au congélateur. Et régulièrement, tu vas le sortir et le gratter à la fourchette pour avoir cette espèce. Non, pas la pas la peine. Ah non, on fait directement. Laisse voilà. Comme ça. On laisse congeler. Bon, faut prévoir du coup la veille de... Pour et le après, lendemain. On gratte au moment de servir avec une fourchette. D'accord. Donc là, on le met au congélateur et puis tu en as préparé un d'avance qu'on utilisera au bon moment de dresser. Ça marche. Donc maintenant, on va faire la crème. Voilà. Donc c'est une crème classique. Voilà, mascarpone. D'accord. Donc il y a 100 grammes. T'as mis de la vanille quand même. Oui, oui, oui. 100 grammes de mascarpone, 100 grammes de crème. D'accord. Un sucre glace et de la vanille, une gousse de vanille grattée. Et cette crème-là, elle va aller où? Tu vas la mettre sur le dessus? Voilà. D'accord. Et sur cette crème, je mettrai les fruits au-dessus, en fait, qu'on voit bien les fruits. Donc en fait, sur ta base de pâte, tu auras donc ta confiture de fruits, ta crème, et seulement après, tu mettras tes petits fruits et ton granité à côté. Le granité, on le mettra au-dessus encore. Ah, ok. Ça va comme une neige, en fait, dessus. Pendant ce temps, si tu veux, on peut couper les fruits. Tu vas les couper. Tu voulais les couper ou pas? Alors les fraises, oui. Les framboises, Non, après les autres, tu les laisseras comme ça. Les fraises, on enlève juste la queue, on les coupe en quartier. D'accord.
C'est vraiment très bon. Bah forcément, on a tous ces goûts de fruits rouges. Avec ta crème, tu as de la légèreté, mais en même temps de la gourmandise, c'est ça. Avec la petite touche de vanille, c'est très très bon. Et puis, le petit côté frais, ce qui est sympa dans le granidier, c'est que ça change parce qu'en règle générale, ce type de dessert, on est plutôt sur un sorbet, par exemple, cassis, fruits rouges. Et là, tu as cette petite note et de thym et le côté granité qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est un bon dessert d'été. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut, en fonction des fruits de saison, l'adapter. Oui, on peut faire, on peut changer les fruits. Fruits exotiques en hiver, donc on peut la décliner. On part sur la dernière recette, toujours sucrée. Ça sera quoi? Une soupe de pêche, donc avec des pêches fraîches et abricots frais à la menthe. Ça marche.